nationaux, membres du FCC sur le processus électoral à RDC. Nous, députés nationaux, membres du Fonds commun pour le Congo, FCC en sigle, tirons une fois de plus la sonnette d'alarme sur les dérives dictatoriales orchestrées par le président de l'Assemblée nationale pour le compte de l'Union sacrée pour la nation, famille politique du président de la République. C'est avec étonnement que nous avons reçu mardi 12 avril 2022, tard dans la soirée, le message de convocation d'une plénière pour ce jeudi 14 avril 2022 afin d'examiner la proposition de loi modifiant la loi électorale et cela sans aucun consensus et été préalablement dégagé entre les forces politiques et sociales. Rappelons ici que la loi portant organisation et fonctionnement de la CENI et la loi électorale en cours ont fait l'objet d'un consensus entre 2011 et 2018. Nous rappelons à l'opinion publique que les réformes électorales doivent faire l'objet d'un très large consensus entre tous les acteurs concernés afin d'éviter au pays des élections chaotiques, sources de frustration et de conflits. Il sied de rafraîchir la mémoire de la population congolaise et de la communauté internationale que l'actuel régime s'est illustré par la violation intentionnelle de la Constitution et des lois de la République, ceci en vue de préparer la tricherie aux élections de décembre 2023. Pour point n'est besoin de rappeler que le renversement en plein mandat de la majorité parlementaire issue des urnes par la corruption et à l'aide des intimidations de dissolution de l'Assemblée nationale au motif fallacieux que le régime était bloqué par le FCC. Heureusement que depuis lors, les Congolais ont fini par comprendre qu'il s'agissait plutôt de l'incompétence des nouveaux dirigeants, comme en témoigne la dégradation constante de la situation politique, économique, sociale et sécuritaire de notre pays. 2. Le renouvellement des juges de la Cour constitutionnelle au mépris des dispositions légales en vigueur, dans le seul but de mettre en place un cadre qui va avaliser la tricherie que le pouvoir actuel entend orchestrer lors des élections à venir. La mise en place d'une plénière et d'un bureau de la CENI sans représentant de l'opposition politique, comme le veut la loi organique portant organisation et fonctionnement de cette institution d'appui à la démocratie, l'objectif étant de mettre en place une équipe chargée d'organiser la dite tricherie au regard du bilan médiocre du régime en place. Hausse généralisée des prix des produits de première nécessité, pénurie des produits pétroliers rendant les transports des biens et des personnes chaotiques, prolifération des cas de détournement des deniers publics, détérioration sans précédent des conditions de vie de la population. Rappelons ici que les personnes prétendument à la CENI pour le compte de l'opposition l'ont été fait sur base de débauchage. Considérant notre attachement aux valeurs démocratiques ayant conduit à la première présentation pacifique et civilisée du pouvoir depuis l'indépendance de notre pays, nous, députés nationaux, membres du FCC, refusons d'accompagner cette tricherie programmée qui ne pourra que déboucher sur des tensions supplémentaires dans notre pays déjà meurtri. En conséquence, nous exigeons une Cour constitutionnelle conforme à la Constitution et aux lois pertinentes, une CENI recomposée et comprenant les représentants légitimes de l'opposition, ainsi qu'une loi électorale dont les grandes lignes auront été discutées préalablement et en dehors du Parlement entre les différentes parties prenantes qui est devenue une caisse de résonance pour le pouvoir. Nous nous abstenons de participer à l'examen de la proposition de loi portant révision de la loi électorale qui commence ce jour au sein d'une Assemblée nationale qui, sous ce régime dictatorial, est devenue une simple caisse de résonance de la volonté du président de la République et de son gouvernement. Nous invitons les organisations citoyennes, les forces politiques et la société civile dans toute sa diversité, œuvrant pour les élections transparentes, crédibles, démocratiques et apaisées, ainsi que la population congolaise dans son ensemble, à s'élever comme un seul homme en vue de barrer la route aux jouisseurs sans vision qui animent actuellement les institutions politiques de notre pays et leur demandons d'identifier les députés nationaux qui prendront part à cette mascarade ou cette messe noire contre notre pays afin de les réserver des sanctions exemplaires aux prochains scrutins qui pointent à l'horizon et pour lesquels nous n'accepterons aucun glissement. En le faisant, il rendrait service à la nation pour laquelle le sang de nos martyrs a coulé et nos enfants engagés sous les drapeaux continuent de tomber sur les champs d'honneur. Présentons nos condoléances aux familles de ceux qui perdent leur vie
victimes civiles et militaires dans l'ensemble du pays et compatissons à leurs souffrances. Que vive la République démocratique du Congo, que vive le Front commun pour le Congo, les députés nationaux, membres du FCC, liste en annexe. Je dis et je vous remercie.